Les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni ont annoncé avoir été la cible d'une campagne de cyberespionnage dont la Chine serait à l'origine. Le but, surveiller les dissidents chinois et déstabiliser les institutions démocratiques, notamment en espionnant des parlementaires. I can confirm today that Chinese state-affiliated actors were responsible for two malicious cyber campaigns targeting both our democratic institutions and parliamentarians. A number of our international partners, including the United States, will be issuing similar statements to expose this activity and to hold China to account for the ongoing patterns of hostile activity targeting our collective democracies. Contrairement à la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé avoir mis en place des sanctions, notamment contre un groupe de hackers connu sous le nom de APT-31, déjà soupçonné par le passé d'avoir espionné des démocraties occidentales. Le ministère chinois des Affaires étrangères a balayé ces accusations, affirmant qu'elles ne seraient pas basées sur des preuves, mais auraient pour but de ternir l'image du pays.